kamoye. Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme d'habitude, vous avez raison, le rendez-vous avait déjà été pris, il est explosif aujourd'hui, un débat chrétien-musulman pour une fois. On les retrouve enfin sur ce plateau d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, parce que les deux samedis qui sont passés, nous avions eu droit, un, aux chrétiens qui sont arrivés sur ce plateau défier et rechercher comme ça là les musulmans, Abdul Mahdi Dantet, le capitaine de l'équipe. Et en deuxième lieu, nous avions eu donc Ahmed Yala qui était arrivé ici en Jean-Baptiste musulman, comme pour déblayer déjà, arranger le chemin, parce que Abdul Mahdi devait arriver et ces choses faites sur ce plateau d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Aujourd'hui, on va trancher avec la question, donc pour dire... Autrefois, il y avait eu ces 3-0 sur l'émission Kratos avec Jean Obombi. Mais aujourd'hui, nous allons finir pour savoir qui de Mahomet et de Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Et pour une émission si importante, la pensée du jour, à beau mentir qui vient de loin. Et tout de suite, lu pour vous. Le livre, nous l'avons piqué sur le plateau, mesdames et messieurs, une réponse chrétienne à l'islam. On ne sait si il vient des musulmans ou des chrétiens, mais il est écrit en page 19 ceci. Il existe une divergence importante entre certains chercheurs quant à savoir si beaucoup d'Arabes sont effectivement ou non les descendants d'Ismaël. Certains s'interrogent même sur l'origine des Juifs immigrants en Israël. Sont-ils vraiment des descendants d'Isaac? La question, à ce stade, est hors de propos. Les Arabes se perçoivent eux-mêmes comme des descendants d'Ismaël. Les descendants d'Ismaël, dont la liste figure dans Genèse 23, 13, 16, se sont installés dans le nord de l'Arabie. Environ 300 millions de 1 milliard 400 millions de musulmans dans le monde sont arabes. Les juifs se perçoivent eux-mêmes comme les descendants d'Isaac. La perception, mesdames et messieurs, est quelque chose de plus fort que toute réalité. En ce qui nous concerne, nous nous référons aux arabes en tant que descendants d'Ismaël et aux juifs en tant que descendants d'Isaac. Laissez-moi vous rappeler, c'est le livre qui le dit, l'auteur, que cette histoire n'est pas juste liée à Ismaël et à Isaac. Il ne s'agit pas simplement de leur passé. Il s'agit de votre avenir, mesdames et messieurs. Plus particulièrement, ce n'est pas seulement leur histoire, c'est votre histoire. Chers invités, bonjour. 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 Alors, sur ce plateau, le décor est planté, ça se voit à vue d'œil. Là-bas, les chrétiens, ici, les musulmans, Abdul Mahdi, bonjour. Bonjour. C'est l'homme le plus recherché sur le plateau d'Homéostasie. Que Dieu soit loué. Abdul Mahdi, vous faisiez entre-temps le tour du monde. C'est célèbre, vous êtes le plus grand des débatteurs musulmans. On est au courant. Bon, d'abord, je commencerai par rendre louange à Dieu. L'espoir qui nous a choisi l'islam comme religion. L'islam qui est la religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. Et Dieu qui a envoyé son messager, le dernier des messagers, donc qui est le prophète Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui, et l'a envoyé pour qu'après que le passage de Muhammad, l'humanité ne trouve aucun argument échappatoire, n'est-ce pas, à pouvoir avancer au dernier jour, n'est-ce pas, au jour du jugement dernier. Par rapport à ce que vous venez de dire, ouais, effectivement, je ne dirais pas que je suis devenu célèbre, bien que c'est une évidence, mais par la grâce de Dieu, j'essaie un peu de sillonner le monde, respectant, n'est-ce pas, l'ordre qui nous a été donné par les prophètes,
n'est-ce pas, celui de faire parvenir de lui, ne serait-ce qu'un message, afin que les gens soient sauvés. Parce que Mohammed est le seul messager de Dieu, à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et ce faisant, vous scandalisez évidemment les chrétiens qui en ont marre. Donc, et justement, ils sont venus sur ce plateau, vous recherchez à corps et à cri. Et heureusement pour nous que vous êtes arrivés, mesdames et messieurs, il est là. Alors, la parole est aux chrétiens qui avaient défié. On se rappelle bien, c'était relever le défi et renvoyer le défi comme dans un effort boomerang à Abdul Majid. Alors, la parole est aux chrétiens. Vous avez 5 minutes parce que c'est chaud de Mahomet et de Jésus. D'où viendra le salut pour l'humanité? Sinon, l'introduction, c'est là qu'on vous avait préparé. Tout d'abord, je vous remercie, monsieur Alexis Bongo. Je salue tous ceux qui nous suivent dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous étions ici il y a quelques jours de cela et nous avons tenu, je crois, 2 émissions qui étaient comme une réponse chrétienne à l'islam, compte tenu des défis que notre frère Abdul Majid a lancé un peu par-ci par-là, que ce soit au Mali, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus sur ce plateau la fois dernière, c'était pour essayer d'amener notre ami Abdul Majid sur le plateau, afin que nous puissions régler nos différences. C'est ça, je crois que le frère Sonite a quelque chose à ajouter. Frère Sonite, évangéliste Sonite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Enfin, nous retrouvons l'homme que nous avons tant cherché. Cet homme est expert dans l'art de mentir. Partout où il est passé, il a pendu le mensonge sur la Bible, sur le nom de Jésus et sur les chrétiens. Alors, on ne pouvait pas se taire devant un tel mensonge. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Et je crois que tous les ingrédients sont réunis pour fuir ce gros poisson musulman avec sa propre graisse qui est le Coran. Super. Et comme vous avez encore 3 minutes, on y va donc. Puisque vous démarrez par une accusation. Et elle est choquante, l'accusation. Elle est, bien sûr. Bien sûr, pourquoi? Parce que lorsqu'il dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Parce que là, nous devons aller droit au but. On y va. Nous n'avons passé assez du temps, donc nous devons aller droit au but. Sans détour. Bien. Alors, donc, quand il dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, j'ai suivi l'émission qu'il a, enfin, la conférence qu'il a organisée au Mali. Il a donné les critères. Il a dit, parmi ces critères-là, je vais prendre un, il a dit qu'il faudrait que l'un des deux, c'est-à-dire de Jésus-Christ ou de Mohamed, dise explicitement de sa propre bouche que je suis le sauveur de l'humanité. Ce qui avait été dit au Mali. Au Mali. Nous avons les images. D'accord. Donc, ici, moi, j'ai lu tout le Coran. Parce que le débat d'aujourd'hui, c'est entre le Coran et la Bible. Nous ne devons pas sortir du thème et sortir de ces deux livres-là. Alors, donc, je me demande où est-ce que Mahomet l'a dit. Parce que j'ai lu tout le Coran, je n'ai pas trouvé. Mais moi, je peux par contre lui donner des versets bibliques qui sont tellement clairs. Nous allons prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, je m'excuse. 2 minutes, je vais retrouver ça rapidement. Jean chapitre 4, verset 42. Jean 4, verset 42. Oui. Et il disait à la femme, oui, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, oui, que nous croyons, oui, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ah, ça c'est les hommes qui témoignent de Jésus-Christ. Vous pouvez encore lire Jean chapitre 12, verset 47. Jean 12, verset 45. 47. 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, oui, mais pour sauver le monde. Donc ça, ça sort de la bouche de Jésus. C'est clair, c'est clair comme, c'est limpide comme l'eau de la source. Mais dans le Coran, on ne trouvera aucun verset coranique où Mahomet déclare que je suis le sauveur de l'humanité. Ça, c'est le premier point. Il vous reste une minute. Le deuxième point, c'est que le monde est en proie au péché, monsieur le journaliste. Donc, l'homme qui vient sauver, le sauveur de l'humanité, doit être sans péché. Parce que le monde est en proie au péché.
L'homme de la même condition que ceux qui ont le péché ne peut pas venir les sauver du péché. C'est impossible. C'est impossible. Alors, Mahomet, c'est un pécheur comme nous pouvons le lire dans le Coran, chapitre 48, verset 2. Rapidement, parce que la minute va s'épuiser là. Coran 48, verset 2. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Nous avons plein de versets comme ça, mais à cause du temps, on ne peut pas citer tous les versets. Mais je peux ajouter un verset, s'il vous plaît, à cause de Jésus, qui concerne Jésus dans le Coran. Rapidement, parce rapidement, sourate 19, 19. Coran, chapitre 19, verset 19. Ah, d'accord. Coran 19, verset 19. Vous auriez dû sélectionner ça. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est pur, c'est l'homme idéal. C'est l'homme sans péché pour venir sauver les pécheurs. Moi, Mahomet ne peut pas me sauver. Même Abdul m'a dit, Mahomet ne peut pas me sauver parce que c'est un pécheur. Parce qu'il est pécheur. Il est de la même condition que son prophète. Super. Alors, voilà. La réplique. C'est combien de minutes de plus? 6 minutes. C'est pas 7. Ça fait 6. Ça va, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dirais tout de suite que, aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que bien que les musulmans soient venus ici, n'est-ce pas, pour essayer, dans le but de clore définitivement ces débats, le débat sur la question du sauveur de toute l'humanité entre Jésus-Christ et Mohammed, et cela en rétablissant, n'est-ce pas, la vérité camouflée pendant des siècles par des pasteurs pour des intérêts vils de ce bon débat. Mais personnellement, je ne suis pas venu débattre avec ces frères, personnellement. Parce que moi, je suis là comme étant membre du jury. Je suis venu simplement les écouter parce qu'ils vont passer. C'est pourtant vous qui recherchez. Suivez. Je suis venu les écouter parce qu'ils doivent passer leur épreuve orale. Ah, d'accord. Leur épreuve orale du baccalauréat en théologie comparée. Ah, je suis là simplement pour les écouter. Sinon, s'il ne peut pas y avoir débat entre moi, c'est comme qui dirait, quelqu'un qui dirait un élève de lycée voudrait défier Einstein, n'est-ce pas, en physique. Donc, ça ne peut pas se faire. Alors, je commencerai par montrer d'abord leur mensonge, parce que parmi les critères que j'ai cités par rapport à Jésus Mohammed, j'ai dit il faut que le Christ, Jésus-Christ ou Mohammed, confirme le caractère universel de sa mission en déclarant clairement avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. Je fais très bien attention à mes mots. Et puis, quand il cite des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas. Des versets qu'ils ne comprennent pas. Écoutez, il a parlé du monde parce qu'il ne connaît pas l'essence du monde dans la Bible. Ibrahim disait, nous, Jean, chapitre 15, verset combien? Verset 15 à 19. 18 à 19. Écoutez le monde, maintenant on va leur apprendre la Bible. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qui m'a trahi avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Vous savez, dans tous ces passages, donc Jean chapitre 15, verset 18 à 19, Jean chapitre 16, verset 20, Jean chapitre 17, verset 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, Jésus-Christ parle du monde, mais par ses langages, il ne comprend pas l'humanité tout entière. Parce que le monde a trois sens dans la Bible. C'est ce que les frères ne comprennent pas. Le monde a trois sens dans la Bible. Je lis dans le glossaire de la Bible, lui, second, n'est-ce pas? Je vous ai dit, je ne suis pas venu débattre avec eux, hein, n'est-ce pas? Le mot monde dans la Bible, excusez-moi, il dit ceci, monde, par ces mots, on entend soit l'univers créé par Dieu, ou l'humanité tout entière sur la terre, soit l'ensemble de ceux qui vivent dans les péchés loin de Dieu et sont hostiles à la lumière divine venue les éclairer. Et c'est dans ce sens-là que Jésus parlait du monde. Et le monde dont il est question ici, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Parce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux bébés perdus de la maison d'Israël. » Donc c'est la forme restrictive. « Je n'ai été envoyé qu'aux bébés perdus de la maison d'Israël. » Donc quand le Christ parle du monde, il ne s'agit pas du cosmos. Le monde il ne s'agit pas de l'humanité tout entière. Il s'agit du monde symbolisme des pécheurs juifs qui vivaient loin de la loi de Dieu et que vers qui Dieu avait envoyé Jésus pour les tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc les frères sont simplement victimes d'une constipation psychique, donc ils interprètent mal la parole de Dieu. Deux, lorsqu'il parle de Mohammed,
Il dit que Mohamed n'a jamais été présenté comme étant le sauveur de toute l'humanité. Moi, ça me fait rire. C'est pourquoi j'ai dit aussitôt que leur petit défi, n'est-ce pas, n'est que l'indication de leur ignorance à la fois, non seulement du Coran, mais aussi de leur, une indication claire de leur insuffisance à langue française. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si, par exemple, aujourd'hui, ce frère allait aujourd'hui représenter la République du Congo, au jeu télévisé, question pour un champion de Julien Lepert, est-ce que vous comprenez? Ils feront certainement la honte nationale de tous les Congolais. Ne maîtrisons pas le français. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans cette émission, pour trouver un mot, le présentateur Julien Lepert commence toujours par la définition du mot. Et maintenant, les quatre candidats doivent faire quoi? Les quatre candidats doivent aussitôt définir, définir à partir de la définition pour trouver l'objet de la définition. Ce qui implique à dire quoi? Ce qui implique à dire, Dieu peut présenter quelqu'un comme étant le sauveur de toute l'humanité, littéralement en utilisant ce terme, toute cette expression, tout comme Dieu peut présenter quelqu'un comme étant celui qu'il a envoyé pour tirer l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Parce que le sauveur, c'est quelqu'un qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger, du malheur, d'une situation critique ou encore de la mort. Et le sauveur de l'humanité tout entière, c'est celui qui vient tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Mais encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Ça va. Or, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est présenté dans le Coran comme étant celui qui est venu tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Dans le Coran. Dans le Coran. Le Mohammed est présenté comme étant celui, comme je le disais tantôt, il est venu tirer l'humanité des ténèbres spirituelles, c'est-à-dire des ténèbres de l'incroyance, de l'égard et de la dépravation totale des mœurs à la lumière parfaite de la foi en un Dieu unique, de la bonne guidée et aussi des vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité. Et je leur demandais de lire eux-mêmes ces passages dans le Coran. Parce qu'ils ne connaissent pas le Coran. Parce que pour connaître le Coran, il faut avoir maîtrisé la langue arabe. Pour connaître le Coran, il faut avoir maîtrisé l'art de conjuguer le Coran. Pour connaître le Coran, il faut avoir étudié les sciences coraniques. Et personne d'entre eux n'est en mesure de nous citer même 3 versets en arabe. Le Coran n'est pas comme la Bible, parce que le Coran conserve son texte, l'originalité de son texte, dans sa langue originale. Mais la Bible n'a plus le texte original, c'est perdu. Le Christ parlait en hébreu, mais le Nouveau Testament était écrit en grec. Une langue que le Christ et ses apôtres ne parlaient pas. Or, dans la critique littéraire, nous apprenons que toute traduction est trahison de l'original. Déjà, le message a été trahi. Donc, je leur demande de lire pour voir cela. Coran chapitre 5, versets 15 à 19, et ils se retrouveront dans ce passage. S'il vous plaît, dis-le. Nous ne sommes pas sélecteurs, monsieur le juriste. Ok, ça va, ça va. Nous ne sommes pas sélecteurs. Je voudrais redresser quelque chose. Ça va, je voudrais, parce que je vous ai dit qu'il s'il vous plaît, c'est la dernière minute pour Abdul Majid. Donc l'émission s'appelle l'homéostasie. Oui. C'est-à-dire la capacité à pouvoir faire quoi? Voilà. Conserver voilà. Son système de fonctionnement. C'est l'état d'équilibre. État d'équilibre. Donc si vous commencez déjà à vous agiter, quand on veut les médecins viennent donner la piqûre pour vous sauver, ça sera un malheur. En tout cas, lisez le Coran. Chapitre 5, verset 15 à 19. Oh, gens du livre, notre messager Mohammed, vous êtes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Chrétien juif. Et passant sur bien d'autres choses, une lumière Mohammed et un livre explicite, vous êtes venu d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Il les guide vers un chemin droit. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Dis au Mohammed, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie fils de Marie ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et tous ceux qui suivent entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Donc vous pouvez également prendre. Vous avez accordé d'une minute déjà, oui. Donc vous pouvez également prendre la sourate 14, verset 1, la sourate 33, verset 45 à 48 et la sourate 65, verset 11, où Dieu présente Mohammed comme étant celui qu'il a envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. C'est pourquoi dans ces passages, Dieu s'adresse aux gens du livre. Parce qu'un de leurs avait dit dans son ignorance du Coran que Abdul Majid a dit que le mot chrétien n'existait pas dans les textes originaux. Mais le mot chrétien n'existe pas dans les textes originaux du Coran. Le mot qui est utilisé dans le Coran pour parler des chrétiens, c'est les gens du livre, Ahlul Kitab et Nasoara. Le mot chrétien n'existe pas. Parce que Jésus même ne connaît pas les mots chrétiens. Est-ce que vous comprenez cela? Alors Dieu utilise cela et Mohammed, Dieu confirme le caractère universel du prophète Mohammed. Dans la sourate 21, 20e sourate, verset 107, il dit, ô Mohammed, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. C'est pas les bons. Il a cité, il dit les mondes, d'autres, il n'a pas compris. Il dit, tout l'univers, le monde en arabe, c'est Alam. L'univers, c'est Alamim. Donc plusieurs mondes. Tout l'univers. Et dans ces passages du Coran que nous avons lu, Dieu dit, il envoie Mohammed pour tirer les gens du livre, chrétiens et juifs, des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Super. Donc vous avez une prolongation de 2 minutes. 7 minutes pour vous. Monsieur Alexis Bongo, ça fait pitié.
Ça fait pitié, je regrette parce qu'il fallait que j'aille un face-à-face avec ce monsieur. Mais je ne regrette rien. Je sais une chose. Moi, j'ai donné des prophéties justes. Ça va s'accomplir. Ça, je sais. Il y aura un face-à-face. Je le crois de tout mon cœur. Ce que nous sommes en train de faire ici va ouvrir une voie. Il dit des mensonges. Il n'y a aucun verset coranique. Il me cite la sourate, chapitre 21, verset 107. Mais cette sourate-là, 21, verset 107, dit quoi? Nous t'envoie envoyer à l'univers comme miséricorde. Et cela est dit de tous les prophètes dans le Coran qui sont envoyés à titre de miséricorde. Il ne lit pas son livre. Et c'est dit aussi de la même chose à Jésus, dans la sourate, chapitre 19, à partir du verset 21, qu'il sera une miséricorde pour les gens. Mais il n'y a aucun verset coranique. Ça, c'est un défi. Ça, c'est une peur. Il a peur. Il n'y a aucun verset coranique qui montre que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. Lors de cette intervention, lorsqu'il est avec les chrétiens, il dit que montrez-moi un verset de la Bible où Jésus dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Mais on lui renvoie l'ascenseur. Qu'il nous montre un verset. Restez tranquille. C'est moi qui parle. Tu as peur de quoi? Revenons au sujet. Oui, ils ont le temps. Donc, nous avons un thème qui est là. Le thème, c'est l'humanité serait sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed. J'ai pas besoin de la parole d'Abdoul Madid. Abdoul Madid n'a pas besoin de mes paroles. Nous avons besoin de faire parler les Écritures. La Bible. Il parle des critères, mais ces critères, il a ramassé ça où? Mais c'est pas dans la Bible, ni dans le Coran. C'est un critère qu'il a monté de toutes pièces. Je lis des films de monter un seul verset dans le Coran qui parle de ces critères. Parce que les critères doivent être des critères divins. Pas des critères inventés de toutes pièces. Lorsqu'il parle de ces critères, il a ramassé ça où? Le Coran est là, qui me montre un seul verset coranique qui montre ces critères-là. Ça n'existe pas. Moi, je regrette une chose. C'est vrai que nous sommes nombreux. Je regrette une chose, je sais une chose, qu'il y aura un grand débat. Ça, je le sais. Je sais, il va perdre. Ça, je le dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Il va perdre. Ce qu'il dit, ce sont des mensonges. Il dit des choses, il n'a... Regardez même la sourate, chapitre 35, verset 19. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. C'est-à-dire que j'ai affaire à qui? À quelqu'un qui choisit des versets. Je connais son style. Il choisit des versets. Alors que dans tout le Coran, là, dans tout le Coran, on présente Mahomet comme un avertisseur. Lui, il dit qu'il vient sortir les gens des ténèbres. Mais c'est dit aussi de Paul. Paul aussi. Donc, c'est une mission. Tous les pasteurs, que ça, tous les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent, ils viennent faire sortir le peuple des ténèbres à la lumière. C'est la mission de tous les messagers. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des sauveurs. Voyez-vous? Donc, dans le Coran, moi, je lui défie, il est là, qu'il me montre un seul verset. S'il me montre ça, moi, je me convertis aujourd'hui. Je deviens musulman. D'accord. Ce verset n'existe pas. Lors de ses conférences, il utilise la sourate, chapitre 34, verset 28. Là où il est dit que nous t'avons envoyé à l'univers comme avertisseur et annonciateur. Ce verset ne dit pas que Mahomet est envoyé comme sauveur. Donc, nous avons affaire à quelqu'un qui cherche à jouer. Il se dit que non, mais j'ai pas de débat avec... Il a des débats avec nous. C'est nous qui l'avons appelé sur ce plateau. S'il n'est pas capable de défier, de débattre avec nous, il prend sa route, il va. C'est ça. Il n'est pas notre professeur ici. Et lorsqu'il a cité le problème du monde, regarde même, il s'est fait même creuser même dans le glossaire de la définition. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, à moins qu'on soit un malade mental. » Lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 4, verset 12? Qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Lui, il dit que la mission de Jésus s'est limitée aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14? Qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Comment il explique ces écritures-là? Nous avons affaire à un tricheur. Il choisit des écritures, mais là, les écritures qui présentent Jésus-Christ, il laisse ça à côté. Lorsque Jésus était ressuscité, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi il ne cite pas ces écritures-là? C'est un menteur. Et il vient ici en professeur. Quel professeur? Lui va enseigner qui? Vous êtes ses élèves, il voudrait bien... Il va enseigner personne, moi. Il va enseigner personne. Vous avez encore 2 minutes, évangéliste Sonite, 2 minutes avant que la parole ne revienne. Je vous ai dit tout à l'heure que cet homme est expert dans l'art de mentir. Vous voyez, tout le mensonge qu'il a pendu ici, nous le constatons. Alors, je vous demande de lire le Coran chapitre 3, verset 55. Coran 3, verset 55. Rapidement. Nous lisons rapidement Coran 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit,
Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Ah, vous avez écouté? Jusqu'à la résurrection. Le Coran dit que ceux qui suivent Jésus-Christ jusqu'à la résurrection. Le mot jusque marque un espace de temps. Ça dit que dès l'arrivée de Jésus-Christ, depuis sa mise en fonction, jusqu'à la résurrection, les gens, tout le monde entier doit suivre Jésus-Christ. Donc, et Abdul Madid, et Abdul Malik, et Youssouf N'Golo, tout ce monde-là, le Coran, c'est leur propre livre qui dit que vous devez suivre Jésus. Donc, quand quelqu'un nie ça vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Donc, il va en dehors de son propre livre. Super. Donc, les vérités sont classées. Alors, je voudrais dire ceci. Quand M. Abdul Madid dit que je viens les écouter, nous avons lancé un défi. Il n'a pas écouté, mais on ne lui a pas dit. Il ne va pas venir nous écouter. Nous avons lancé un défi contre lui parce que c'est lui qui l'a cherché. À Pointe-Noire, il a dit, je cherche un passeur plein d'Esprit Saint. Nous sommes là. Plein d'Esprit Saint. Plein de, nous sommes là. Et nous disons que nous ne devons pas jouer avec les termes. C'est l'atterrissage. Ah, nous ne devons pas jouer avec les termes. On a dit le salut entre Mahomet et Jésus. Et nous voulons que les Écritures tout prophète parler. Amène la lumière parce que la parole est une lumière. Super. Tout prophète amène. Donc, qu'il nous montre coraniquement le terme sauveur appliqué à Mahomet et nous croirons. Super. Alors, voilà. La réplique, 5 minutes. Non, c'est pas 5, c'est non, ils ont égalisé. Hein, parce qu'il y avait eu des bordements, on a égalisé. Moi, on répare sur 5-5. Je vais terminer. Je dis. Quelle pitié, quoi. Je remercie Allah, et je prie sur le prophète Mohammed, sur sa pieuse famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivent ces trois chemins de l'islam jusqu'au jour de la transmission. Tout à l'heure, j'ai suivi les frères tricher avec un verset du Coran. Jusqu'aujourd'hui, j'ai comme impression que ces frères se sont servis juste des versets du Coran comme ça qu'ils ont ramassés, sans savoir le sens de ces versets, pour venir les citer pêle-mêle. Ils citent un verset qui est au chapitre 3, qui commence déjà au verset 54. Je présente la situation des juifs qui complotaient pour venir tuer le prophète Jésus. Après qu'ils aient échoué à leur complot, Dieu présente le prophète Jésus comme celui qui est porteur des messages de l'unicité à son peuple. Alors, il donne un enseignement que ceux qui suivront Jésus, parce que au milieu de ce verset, je placerai ceux qui te suivront. Vous comprenez? C'est-à-dire à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus. On va donner le verset. Ça va venir. Donc, c'est pour dire, c'est frère. Ça va venir. J'ai comme impression, je vais laisser au frère Abdul Majid, parce que le problème, c'est quoi? Le Coran, je parle. Et les détails du Coran, pour avoir la connaissance du Coran, il faut au préalable avoir la connaissance de la Sunna. Parce que Dieu dit dans les Écritures, dans le Coran, nous t'avons révélé la Sunna pour que tu détailles ce qui est dans le Coran. Or, ces frères-là n'ont aucune connaissance. Tout à l'heure, le frère. Même la langue arabe. Je peux même aujourd'hui donner à ce frère-là. Lire même les versets. Il ne peut pas. Vous comprenez? Mais si on dit, on va lire même les versets en hébreu ici, nous allons lire. C'est ça la différence. Vous comprenez? Donc, ici, le seul problème, c'est quoi? Ces frères sont allés ramasser des versets, ça et là, venir les citer sans savoir le fond. Donc, je laisse au frère Abdoumane. Ça va, j'étais en train de. Vous prenez 3 minutes. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que s'ils participaient au jeu télévisé, question pour eux. Ils feront la honte. Laissez-moi parler. Voilà, mais pour lui, vous êtes. Parlons selon les Écritures. C'est un embryeur. Parlons selon les Écritures. Vous agitez pourquoi? Parlons selon les Écritures. Nous n'avons pas des exemples à nous faire perdre. Je récupère le temps. À chaque fois qu'il intervient, je récupère le temps. Oui, 3 minutes. C'est pourquoi j'ai dit il est facile de dire un mensonge, mais difficile de les sauter. Mais vous n'allez plus. Tu vois, que tu as peur de moi. Tu vois, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Il n'est pas nécessaire. Parce que sauveur veut dire celui qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger. Du malheur, d'une situation critique, de la mort. C'est ça la définition du mot sauveur. On peut présenter quelqu'un comme étant sauveur de toute l'humanité, directement, littéralement, tout comme
comme on peut le présenter comme celui qui est venu tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles vers à la lumière, parfait. Mm-hmm. Si on le présente comme tel, il est sauveur de toute l'humanité. Mm-hmm. Si vous arrêtez à dire non, je vais voir les mots, mais ce serait simplement en train de manifester son ignorance de la langue française. Mm-hmm. Deux, lorsque les frères, suivez, écoutez, nous ne sommes pas venus pour rendre ces débats périls, trop enfantin. Mm-hmm. Parce que j'ai fait les émissions Kratos, ça fait, vous avez commencé à vous préparer, je ne sais pas, depuis 2000 jusqu'à 2014, vous avec votre Saint-Esprit, vous avez été incapable de m'affronter juste après les débats des émissions Kratos. Mm-hmm. Donc ce n'est pas aujourd'hui que vous serez capable de m'affronter, parce que vous ne connaissez pas les Corans. Mm-hmm. Je peux vous mettre dans les... Lisez trois versets seulement en arabe pour qu'on sache que vous connaissez les Corans. Mm-hmm. Vous ne le ferez pas. Mm-hmm. Deux, les frères disent, ils disent que bon voilà, il a parlé du monde. Mais j'ai dit mon frère, vous savez, dans l'art de l'exégèse, lorsqu'un messager de Dieu dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, tous les autres versets doivent être interprétés à la lumière de cet passage. Mm-hmm. Et quand je lis le glossaire de la Bible, on nous dit dans la Bible, lorsque le mot monde est utilisé, il a trois sens. Cosmos, humanité toute entière, et ceux qui vivent dans les péchés. Or, nous savons que Dieu, parlant de Jésus, a dit dans Matthieu 2:6, il élèvera un chef qui est donc Jésus, pour sauver Israël, son peuple. Et le même Paul qui a cité, le même Pierre qui l'a cité, dans Acte 4, 12. Mais lisez le contexte. Pierre est en train de s'adresser aux enfants d'Israël, il ne s'adresse pas à toute l'humanité. Mmh. Il parle aux enfants, restituer les choses dans le contexte. Et c'est le même Pierre qui dira dans Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 31, il dit quoi? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Prince et sauveur pour Israël, c'est pas pour toute l'humanité. Mm-hmm. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Oui. La Bible dit, avant sa venue, Jean, vite, allez vite. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Mm-hmm. 23. Le peuple d'Israël. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité Jésus-Christ. Regarde ici. Jésus-Christ. La postérité de David, Dieu a suscité Jésus-Christ comme sauveur pour Israël. C'est pas pour toute l'humanité. C'est pourquoi Jésus a interdit à ses apôtres d'aller vers les païens. Mm-hmm. Dans Matthieu chapitre 10, mm-hmm. verset 6 à 7, il dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains, allez plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Donc c'est clair, nous disons, lorsque le Coran présente Mohammed comme étant celui que Dieu a envoyé pour tirer l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Mm-hmm. Mohammed lui-même déclare. De ce fait, il est le sauveur. Mohammed lui-même dit, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, mm-hmm. j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mm-hmm. vous avez parlé de Mohammed qui a été présenté comme miséricorde pour l'univers. Il dit, mais il y a des prophètes qui ont été présentés comme miséricorde. Mais laissez les choses dans le contexte. Parce que vous ne verrez dans aucun verset du Coran où un prophète est présenté comme miséricorde, le mot Alamin, univers est suivi. Ça n'existe nulle part. Le mot n'est utilisé que dans les contes de Mohammed. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est lui seul que Dieu a envoyé comme étant une miséricorde pour tout l'univers. Mais les autres combats. La venue d'un prophète, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Mm-hmm. Mais jamais vous ne verrez, c'est un défi. Vous ne verrez dans aucun verset où Dieu présente un coranique dans lequel Dieu parlant d'un prophète, il dit que c'est une miséricorde. On dit pour l'Alamin, c'est-à-dire pour l'univers. Ça n'existe nulle part si ce n'est pour les contes de Mohammed. Et il est en train de tricher avec les versets du Coran. Voilà. Quand vous lisez Coran chapitre 34 et verset 28, mm-hmm. dans lequel Dieu dit clairement, parlant de Mohammed, oh Mohammed, nous t'avons envoyé à la totalité des hommes. Il dit qu'à fatalinas, il ne saura même pas lire ça. Mm-hmm. Donc sans exception à toute l'humanité comme annonciateur et avertisseur. Je vous montre les versets bibliques. Mais c'est trop malheureux. Vous agitez pour moi. Je vous montre des versets bibliques. La parole est de ce côté. Je vous cite maintenant les versets bibliques. Tous les prophètes sont appelés avertisseurs. Tous les prophètes viennent pour avertir. Je vous donne des versets bibliques parce que vous ne comprenez pas. Tous les prophètes, Proverbes chapitre, d'abord les avertissements viennent de la part de Dieu, Proverbes chapitre 3, verset 11, 2 Rois chapitre 17, verset 13, 2 Chroniques chapitre 36, verset 15, Ézéchiel chapitre 3, verset 21, Ézéchiel chapitre 3, verset 7, tous les prophètes de Dieu ont été envoyés pour apporter une bonne nouvelle du paradis, pour ceux qui obéiront Dieu à travers leur message, et pour les avertir contre, les mettre en garde contre les châtiments de l'enfer, contre ceux qui ne croiront pas. C'est ce qu'ils ne comprennent pas.
ceux qui ne comprennent pas. Exact. Monsieur alors, Alexis Bongo, nous voyons que la fois dernière, j'ai dit lors d'une émission que Abdul Madid est un spécialiste en mensonges. Regardez, il a lu plusieurs écritures. Moi, je ne refuse jamais les écritures lorsqu'il est sur ce plateau. Même lorsqu'il lit Matthieu chapitre 15, verset 24, je ne refuse jamais une écriture. Ce que nous refusons, c'est la pensée que les gens introduisent dans cette écriture. Ça, nous refusons ça. Même dans le Coran, dans la sourate 62, à partir du verset 2, on présente ceci. C'est lui qui a envoyé à des gens 100 livres. Le professeur Amidoula interprète les Arabes. Un messager dès lors qui leur récite ces livres, les purifie, les enseigne le livre de la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Si on lit seulement ce verset par exemple, dans ce verset, il ne trouve pas son compte. Il ne se retrouve pas ici là. Parce que dans le contexte, si nous respectons le contexte nous dit que Muhammad est envoyé à qui? Aux anges, aux gens sans livre. Maintenant, si nous lisons ce verset, on ne lit pas les autres écritures, on ne comprendra pas. C'est la même chose avec la Bible. Regardez même le mensonge. Regardez, il tombe ici, je le fais tomber ici là. Regardez dans Actes chapitre 13, à partir du verset 23, là où il s'arrête. C'est un menteur. Regardez. C'est de la postérité, Actes chapitre 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Nous disons Amen, amen. C'est l'écriture. Amen. Mais il est aussi écrit dans amen. Le même contexte amen. Que dans au verset 46, Paul et Silas, là il ne peut pas lire ça. Il ne peut pas lire, parce que s'il lit ça, il comprendra que c'est un menteur. Paul et Silas, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, verset 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, Abdul Madid, comme c'est un tricheur, un spécialiste, il lit, il s'arrête au verset 23. C'est pour ça que j'avais dit une chose. Ça, je le dis ce soir. Un face à face avec lui, il ne pourra pas. Je le dis, il ne pourra pas. On est déjà dans un... Non, ça, c'est pas un... Ça, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût, monsieur Alexis. Je sais ce que je dis. Oui. C'est un avant-goût. C'est un tricheur. Moi, je n'ai jamais refusé une écriture sortant de la Bible. Je ne refuse jamais cela. Même si Jésus le dit, nous disons Amen, parce que c'est l'écriture. Même lorsqu'il lit Matthieu chapitre 1, verset 21, qui dit que l'enfant aura un fils, on lui donnera le nom de Jésus, il sauvera son peuple au singulier. Nous disons Amen, parce que c'est l'écriture. Mais ce que nous refusons, c'est lorsque Abdul Madid prend sa pensée charnelle, il introduit dans un verset pour limiter la mission du Seigneur. Ça, nous refusons cela. Et il y a toute une pluie d'écriture. Lorsque j'ai cité par exemple Matthieu chapitre 24 à partir du verset 14, pourquoi il n'a pas contredit cette écriture? Là où Jésus dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Une parole sortie de la bouche de Jésus. Il va expliquer ça comment? C'est simple. Il va dire que c'est allégorique. C'est pas simple, c'est difficile. Vous avez encore. C'est difficile. Mais ton tour, sois calme. Ton tour, tu auras ton tour. C'était 7 minutes. Le traitement que nous avons réservé à Abdul Madid est digne de son nom. Alors, je prends Luc chapitre 24, verset 44. Puisque lui, il dit que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ce qui est vrai, l'écriture est vraie, mais il a mal compris. Alors, nous lisons Luc chapitre 24, verset 44 à 47. Je lis. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Prends le verset 47. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Bon, je tombe directement au verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc la mission de Jésus devait commencer par Jérusalem. Elle devrait s'étendre aux nations. Monsieur le Mabou, bon, je veux prendre un verset du Coran. Prenez le Coran, chapitre 42:7. Coran 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours. Voilà. Supposons qu'on s'arrête à ce verset. Et que tu avertisses du jour du rassemblement. Donc, si on s'en tient à ce verset-là, donc Mahomet
n'est pas avertisseur à l'humanité. Parce que son rôle s'arrête autour de la, dans la Mecque et aux alentours de la Mecque. Vous pouvez encore reprendre le Coran chapitre 6, verset 92. La dernière minute, rapidement. Le Coran chapitre 6, verset 92. Mais on 6, 92. Ça viendra. 6, 92. Je dis, voici un livre, entre parenthèses, le Coran, béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui était déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses, la Mecque. Voilà. Et les gens... Tout autour. Donc la mission de Mahomet se limite autour de la Mecque et aux alentours de cette ville-là. Dans la mer et dans la Mecque et aux alentours de la Mecque. Mmh. Donc il font ça la même chose avec l'écriture de tout à fait. Matthieu 15. Donc il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et la Bible est son propre livre, le Coran. Parce que le Coran dit, hein, le Coran dit dans le chapitre 10, 94, que si vous avez des doutes, si Abdul Madid a des doutes, a des difficultés de comprendre son propre livre, moi et le frère Génie, qui sommes des chrétiens, allons l'aider à comprendre son propre livre. C'est ce que dit, vous voyez, c'est ce que dit le Coran, lisez ça. Le Coran, chapitre 10, verset 92. Deux minutes, si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. Ah, donc si monsieur Abdul Malik et Abdul Madid étaient respectueux de leur texte, ils devaient tout simplement s'humilier, parce que le Coran dit que le musulman est le soumis à Allah. Donc vous n'êtes pas soumis, monsieur Abdul Madid. Il n'est pas soumis à Allah. Lorsque vous refusez de venir consulter les chrétiens que nous sommes, alors que Dieu, nous, vous, Dieu a donné aux musulmans les chrétiens pour vous aider. Vous voyez. Alors, 7 minutes. Je pense que les téléspectateurs ont constaté que je garde mon calme. C'est tout à fait normal, tu encaisses. D'abord, je les lance un défi, parce qu'il faut, comme ils savent que. Parce que les versets, ils n'ont pas compris. Si tu as dans les doutes, interroge ceux à qui nous avons donné le livre. Qui sont-ils? Et ça veut dire quoi, les versets? Je les mets au défi aujourd'hui. Je leur donne un seul verset du Coran. Nous avons des doutes sur ce verset. Coran, chapitre 43, verset 45, qui nous explique, qui nous dit, quand Dieu dit aux prophètes, interroge les prophètes qui sont passés avant toi. Est-ce qu'avons-nous demander aux humains d'adorer un autre Dieu qui est le miséricordieux, ça voudrait dire quoi? Parce que les prophètes là n'existaient pas à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela voudrait dire, c'est un verset du Coran. Nous saurons maintenant s'ils connaissent le Coran. Deux, lorsque les frères nous parlent de Paul, il a cité un passage de Paul, il dit non, la parole vous a été donnée premièrement à vous, mais comme vous la refusez, donc les juifs, nous allons vers les païens. Nous en islam, comme les frères le savent, nous ne reconnaissons pas l'apostolat de Paul. Ça c'est notre droit. Mais tu as dit, c'est pas pour toi. C'est l'écriture que tu as lu. Je peux parler ici. Vous vous agitez pourquoi? Non. Prenez une minute. À chaque fois qu'ils parleront, vous m'ajouterez. 8 minutes. Parce que quand ils parlent, moi je garde le silence. Si vous avez l'esprit saint, vous n'allez pas vous agiter. Paul, moi j'ai dit, j'ai cité, je me suis référé à une écriture de Paul qui confirme ce que le Christ a dit. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait dire à Jésus dans la Bible qui sont fausses. Par exemple, il y a des versets dans lesquels on vous dit, Jésus dit, David et ses hommes ont mangé les pains de proposition à l'époque du sacrificateur Abiatar avec ses hommes. Or, dans l'Ancien Testament, David était seul, il n'était avec personne. Et le sacrificateur n'était pas Abiatar, mais Ahimelec. Et tous les commentateurs reconnaissent cette erreur des copistes. Donc, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Deux, vous savez qu'encore, quand on parle du sauveur de toute l'humanité, mes chers frères, il faudrait qu'on se pose la question de savoir en quoi est-ce que Jésus est-il le sauveur de toute l'humanité. Parce que le sauveur de toute l'humanité, c'est celui qui vient tirer les hommes des ténèbres spirituelles, donc de l'incroyance, égarement, dépravation des mœurs, à la lumière parfaite de quoi? De la croyance en un Dieu unique, de la guider et des valeurs morales positives. En quoi est-ce que Jésus est-il le sauveur de toute l'humanité entre Mohammed et Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez? Imaginez une seule fois que Dieu envoie Moïse chez Pharaon, sauver les enfants d'Israël, parce qu'il était libérateur qui est synonyme qui sauvait. Mais Moïse arrive là-bas, au lieu de demander aux enfants d'Israël de croire en lui et de leur donner les directives divines, de valeur permettre de se soustraire, n'est-ce pas, du joug de l'esclavage égyptien, mais Moïse part, il demande au pharaon de les tuer. Quel sera le sort des enfants d'Israël après que Moïse soit tué par le pharaon? Est-ce qu'ils seront sauvés? Alors, Paul, auquel ils se sont référés aujourd'hui, Paul, parce que c'est lui qui a étendu les caractères universels de la mission de Jésus. Jésus n'a jamais envoyé Paul, ça c'est notre débat. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus a envoyé ses apôtres aller prêcher aux non-israélites. Je dis bien, aux non-israélites. Je souligne, je pèse mes mots. Aux non-israélites.
S'il y a des versets qu'on ne s'agite pas, ils vont donner les versets et nous allons ensemble les analyser. Ne t'écarte pas du thème. Suivez d'abord. Je suis dans le thème. Vous savez pourquoi? C'est la réplique. On est ici. Donc il n'y a aucun verset dans lequel Jésus a demandé à ses 12 apôtres d'aller prêcher son évangile aux non-israélites. S'il donne les versets qu'on ne s'agite pas, on va étudier les versets. Je sais que je connais les versets auxquels ils vont se référer, mais on les verra. Et Jésus a dit clairement au dernier jour, Pierre lui pose la question, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et il dit, quelle sera notre récompense? Il répond en disant, au renouvellement de toutes choses. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Voilà ceux-là auxquels Dieu a élevé au-dessus de ceux qui ont mépris en Jésus-Christ. Dieu lui-même le dit dans le Coran, chapitre 61, verset 14, parce qu'ils interprètent mal le Coran. Dieu parle d'un groupe qui a cru en Jésus, un groupe de juifs, et un autre groupe qui a mépris. Il ne s'agit pas des égarés d'aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus. Deux, c'est pourquoi j'étais en train de dire, encore faudra-t-il que nous sachions en quoi est-ce que Mohammed et Jésus sont des sauveurs. Parce que selon le christianisme, selon les chrétiens, Jésus est venu sauver le monde par sa mort sur la croix. Alors que Jésus, après la mort de Jésus, le taux de péché que le monde connaissait à l'époque de Jésus s'est multiplié aujourd'hui par 1 million de fois. Et cela, sous le regard impuissant du christianisme et de la doctrine de la rédemption par la mort de Jésus. Aujourd'hui, le pays de Jésus vit dans le péché, mais le pays de Mohammed est régi par les lois de Mohammed. En quoi est-ce que Jésus est sauveur de toute l'humanité? Jésus est un vrai prophète. Puisque son monde est plus sale ou pas? Plus sale que le monde de Mohammed. Et le christianisme n'a jamais réussi à transformer une seule riz, même à Brazzaville ici, transformer moralement une seule riz à travers les enseignements du christianisme. En quoi est-ce que Jésus est-il sauveur? Parce qu'être un sauveur, ce n'est pas un slogan. Être un sauveur, ce n'est pas un slogan. Ça se décrète pas. Être un sauveur, vous devez d'abord enseigner aux hommes à connaître Dieu, parce que c'est la première question en matière de foi. Vous devez donner aux hommes une charte qui définit clairement les devoirs, les et les droits de chacun à tous les niveaux, de gouvernants comme de gouvernés. Vous devez leur donner un code de conduite, de moralité, ainsi de suite. Être sauveur, ce n'est pas un slogan. Donc il faut comparer cela. Alors, je reviens pour dire pourquoi les frères s'agitent. Quand moi je parle, je lance un défi pour finir. Parce que j'ai dit ici, et je le répète, il n'y a aucun verset. Parce que quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est une forme restrictive. Ils ont raison. Mais quand vous donnez l'écriture pour étendre, n'est-ce pas, la mission de Jésus, il faut que cela soit en harmonie avec l'esprit du champ de la mission de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit ici, pourquoi alors on ne trouve pas dans la Bible un seul verset dans lequel Jésus a demandé à ses apôtres d'aller prêcher l'évangile aux non-israélites. Je le souligne bien, non-israélites. Pourquoi? Aucun apôtre de Jésus n'a prêché à un seul païen l'évangile sur l'ordre de Jésus. Pourquoi? Alors que Mohammed est venu, c'est le seul prophète de Dieu qui avait des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, parce que pour être le sauveur de l'humanité, comme je l'ai dit, ce n'est pas un slogan. Il faut qu'on prouve cela, que Jésus ou Mohammed prouve cela, en ayant de son vivant dans son entourage des disciples qui appartiennent à d'autres nations. Mohammed les avait. Des Noirs, des Romains, des Perses, des Africains, mais Jésus n'en avait pas. Et aujourd'hui, s'il faut comparer, parce que la doctrine de la rédemption sur laquelle repose le christianisme, et les chrétiens disent par cette doctrine nous serons sauvés. Cette doctrine, le Christ ne l'a pas enseignée. Et c'est une doctrine d'origine satanique. Donc c'est pourquoi le monde ne peut pas être monsieur sauvé le journaliste, par le christianisme. Il y a débordement d'une minute. Super. Monsieur alors, le journaliste, vous voyez que cet homme ne fait que mentir. Il ne fait que mentir. Il a dit, dans les images que j'ai, il a dit il faudrait que ce sauveur de l'humanité l'ait déclaré explicitement de sa propre bouche que je suis le sauveur de l'humanité. Que cela veut dire? Il faudrait que Mahomet l'ait dit dans le Coran. Voilà pourquoi nous lui lançons un défi ici. Ce n'est pas attendre demain. Il faudrait que Mahomet dans le Coran nous dise que je suis le sauveur de l'humanité dans le Coran, le sauveur. Le terme sauveur doit ressortir là-bas. Le texte de ma conférence est ici. Une minute, on va ajouter là-bas. Continuez. Et c'est le thème. C'est le thème d'aujourd'hui. Oui, c'est le thème. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, il est tout simplement incapable, avec son propre livre, de nous dire un seul verset où Mahomet a dit que je suis le sauveur de l'humanité. Et ensuite, j'avais dit que le sauveur de l'humanité ne peut pas être un pécheur. Ça, je lui ai dit, il n'a pas riposté. Pourquoi il ne riposte pas? Parce qu'il sait que là-bas, il va tomber. Là-bas, il va tomber. Le sauveur de l'humanité ne peut pas être un pécheur. Moi, j'ai des problèmes dans ma maison.
avec ma femme, j'ai des problèmes. Vous aussi, vous avez les mêmes problèmes que j'ai. Vous viendrez sauver moi mon foyer. Alors que vous, dans votre maison, vous avez aussi des querelles à tout moment, vous vous bagarrez. Donc, le prophète Mohamed et Abdul Malik et Abdul Madid et toute sa suite, ils sont dans la même condition. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été donné comme modèle pour que l'humanité tout entière le suive. Coran chapitre 3, verset 45. D'accord. Coran chapitre 3, verset 45. Nous vous avions dit que venez faire école. Je lis. Les cours sont gratuits, monsieur Abdul Madid. Les cours sont gratuits. Quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Oh. Son nom sera Al-Messie, Issa, fils de Marie. Oui. Illustre ici bas. Oui. Comme dans le désert. Ah, Jésus-Christ est le modèle parfait. Ici-bas, on n'a pas seulement dit en Israël. Hein. Il dit ici-bas, donc même en Arabie Saoudite, partout, au Mali. Donc ici-bas, il est le modèle parfait. Et dans l'au-delà, aucun prophète. C'est le Coran qui parle. C'est le Coran qui parle, nous avons lu. On ne sort pas du thème, monsieur. Alors, donc, ne sortons pas du thème. Donc, lui, il veut nous payer la rédemption par le sang. Nous voulons vous voyez, donc, c'est un homme, c'est un technicien du mensonge. Hein. Donc, il dribble comme ça pour que nous le suivions. Nous te ramenons dans ton propre livre, monsieur. Donne-nous un seul écrit, une seule écriture où Mahomet dit clairement que je suis le sauveur de l'humanité. Mais Jésus-Christ l'a déclaré dans la Bible. Et nous avons donné les preuves dans le Coran. D'accord, mais vous avez encore... Monsieur Alexis Bongo, moi j'aimerais bien que nous puissions rester dans le cadre du thème. Vous ramenez-nous dans le thème parce que... Moi je dis ceci. Si Mahomet est le sauveur de l'humanité, entre Mahomet et Abdul Madid, qui est mieux placé pour nous le dire? C'est Mahomet. Si Mahomet est le sauveur de l'humanité, entre Abdul Madid, qui est ici, et le Coran, qui est mieux placé pour nous le dire? Je crois que le Coran contient toutes les informations. Quand on dit qu'un musulman, le mot musulman veut dire celui qui est soumis, il est soumis à quoi? Soumis à ce que Allah a dit. Où est-ce qu'Allah a parlé? Il a parlé dans le Coran. Dans tous les passages que moi je lis, c'est toujours le mot avertisseur, annonciateur. Avertisseur, annonciateur. Pour quel peuple? Il n'est dit sauveur. Pour quel peuple? Laisse-moi parler. Tu as peur de quoi? Tu as peur de moi? Annonciateur, avertisseur. Nous prenons le thème, c'est-à-dire la difficulté de ce monsieur, c'est quoi? Dans une myopie spirituelle, lorsqu'il voit le mot avertisseur, ou bien le mot annonciateur, pour lui, dans une myopie spirituelle, il voit le mot sauveur. Or, le mot sauveur, c'est autre chose. Mahomet, il n'y a aucun verset. Ça, je le défie, il est là. Il ne peut pas trouver ça ici. Donc, la seule façon pour lui de s'en sortir, c'est de faire ses petits dribbles. C'est tout. Donc, nous n'allons pas le laisser. S'il y a un verset, parce que le thème, c'est l'humanité serait sauvée par Mahomet ou par Jésus. Il y a des gens qui nous suivent, des gens respectés qui ont besoin de connaître leur sauveur. Et nous disons ceci ce soir. L'humanité n'a pas besoin d'un sauveur qui est mort. Ou qui est dans une tombe. Mahomet est mort en 632 à l'âge de 63 ans. Jésus-Christ est vivant. Il est le sauveur parfait. Et j'ai lu l'écriture de Jean chapitre 3, qui est mon verset préféré. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit. Ici, on n'a même pas besoin qu'un génie quitte au ciel pour nous dire que non. Quiconque veut dire. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. En fait, quiconque croit en lui. Ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a une différence, je vais vous dire ceci. Moi, je n'ai jamais refusé une écriture. Regardez qu'il a cité une écriture de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 27. C'est la dernière. Il a fait sortir cette écriture dans son contexte. Lorsque Jésus dit au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Nous disons Amen, c'est l'écriture. Mais lesquels qui le suivaient à cette époque-là? Donc, ils ne respectent pas le contexte. Il faut prendre l'écriture dans son contexte. Ceux qui le suivaient en ce temps-là, c'était qui? C'était pas les Congolais. C'était les disciples israélites. C'est pour ça que vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais au verset 28, vous allez dire que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il fait allusion maintenant aux païens. Là où lui, il n'arrive pas à lire. C'est ce verset-là qui touche pas directement. Vous savez, les problèmes, c'est quoi? Lorsqu'on cherche à forcer l'interprétation de la Bible, on risque de faire dire au Christ. Vous savez, vous venez de dire, en fait, il vient de dire que ceux qui l'ont suivi seront
avec vont juger. Et quand ils interprètent le Coran, je mettrai ceux qui t'ont suivi au-dessus, ils disent les chrétiens aujourd'hui. Non. Suivez très bien. Allons-y. C'est l'interprétation faussée. Mais quand vous parlez, vous dites ceux qui l'ont suivi seront placés au-dessus de ceux qui ont mécrit. Il ne s'agit pas des chrétiens d'aujourd'hui. Il s'agit des juifs qui ont suivi Jésus, les Israélites. Il vient quand il interprète ces versets de la Bible, dit non, ceux qui l'ont suivi, ce sont les Israélites. Alors, quand le Coran te parle de ceux qui l'ont suivi, quand Dieu parlait avec Jésus, vous les chrétiens ici, non Israélites, vous étiez là. Vous n'étiez pas là. Ça ne concerne pas les chrétiens non Israélites. Deux, vous savez, lorsque les frères lisent un verset, il cite le Coran, il dit illustre ici, bas dans l'au-delà. Mais pas seulement ça. Le Coran parlera de tous les êtres humains qui vont hériter les paradis, les appels des gens qui seront minal mukharabin, c'est-à-dire les rapprocher de Dieu. Pourquoi on parle de Jésus comme illustre ici, bas de la et l'un des rapprochés, c'est pas le seul, l'un des rapprochés de Dieu. Parce que c'est un prophète de Dieu. Et puis le verset 49 et 51 vous dit quoi? Dieu dit dans le Coran, il sera le messager aux enfants. Aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit ça. Le Coran dit, il est messager aux enfants d'Israël. Comme le Christ lui-même a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous lisons les Français ou bien les quoi? Quand on dit je n'ai été, mais c'est une forme restrictive. Il ne faut pas étendre les champs de la mission. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et quand le frère vient me faire dire, écoutez, ces mensonges-là, parce qu'il dit ces mots-là, c'est moi qui étais l'orateur. Regardez mon texte ici. Le texte sur Jésus-Christ ou Mohammed doit lui-même déclarer explicitement avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. C'est ce que j'ai toujours dit par rapport aux critères. Doit lui-même déclarer explicitement avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. Et ça, vous ne trouverez aucun verset de la Bible dans lequel Dieu dit il a envoyé Jésus à l'humanité tout entière, ou aucun verset de la Bible dans lequel Jésus dit j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Deux, il y a un autre problème. Regarde comme ça les gens sont en train de s'embrouiller. C'est pourquoi je vous ai parlé ici de l'émission Question pour un champion. Je vous ai dit que pour trouver les mots sauveurs, regardez-moi, quelqu'un il vous dit donnez-moi là où Mohammed est appelé sauveur de toute l'humanité. Mais qu'est-ce que signifie sauveur par définition? Oh là là. Non, qu'on définisse les mots. Qu'est-ce que signifie sauveur par définition? Un sauveur d'abord sur le plan horizontal, c'est-à-dire sur le plan temporel, c'est quelqu'un, les dictionnaires nous définissent un sauveur comme quelqu'un, qui une personne qui est venue tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger, du malheur, de la mort. C'est celui-là le sauveur. Mais sur le plan vertical maintenant, sur le plan spirituel, un sauveur de l'humanité, c'est celui qui est venu sauver les gens de péché, c'est-à-dire les tirer de l'état de péché dans lequel ils vivaient pour les amener à la lumière de Dieu, où ils retrouveront la valeur pour laquelle ils ont été créés. Or, Mohammed est présenté dans le Coran par Dieu lui-même comme étant celui que Dieu a envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Lisez le Coran chapitre 7, versets 57 à 58. 58 verset, même. Verset 157. Et 158. Vous prenez 158. Écoutez les paroles de Mohammed. Coran chapitre 7, verset 157. À 158. Écoutez la parole d'Allah. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré Mohammed, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le blâmade, il leur ordonne le marouf. Prenez le verset suivant directement pour ne pas perdre le temps. Dis au Mohammed. C'est Dieu qui ordonne à Mohammed de dire. Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Le terme utilisé en arabe c'est Ya ayyuhan nasu inni rasulullah. Quel mensonge. Vous savez, le Saint-Esprit avait le pouvoir de parler en arabe à l'époque des apôtres. Il a permis aux apôtres de parler en arabe, une langue qu'ils ne parlaient pas. Mais ceux-là sont incapables de parler, même avec l'aide du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas nous lire le Coran en arabe. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est un défi. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils connaissent le Coran. Le Coran est deux. Je vais donner un verset. Je vous en prie. Je peux utiliser les paroles. Mais comment tu viens faire un défi avec ça? Ça voudrait dire que les gens. Ça voudrait dire. Comment ils peuvent faire? Tu peux venir faire un défi? S'il vous plaît. Si vraiment nous sommes venus pour chercher la vérité, si par exemple je disais au frère, donnez-moi, est-ce que je peux prendre votre Coran pour le lire? Ou les marques? Voilà. Parce que je voudrais donner le verset dans le Coran qu'ils mettent sur pour le pour ne pas avoir un prétexte prémé. Montrez-nous le terme sauveur là-bas où Mahomet présenté comme le sauveur. C'est pourquoi j'ai dit c'est trop malheureux. C'est-à-dire, lorsque vous avez dit explicitement, vous avez dit que le sauveur est le dire explicitement. Vous avez dit pourquoi? Je vous en prie. Qu'à chaque fois que je prends la parole, vous agitez pour moi. Je vous en prie. Si tu nous fais des réponses, fais aussi. Mais qu'à chaque fois que je prends la parole, vous vous agitez pourquoi? Quand vous parlez, moi, je dis qui s'agite.
Mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Vas-y, trop, vas-y. On est ici pour la chapitre 24. C'est pourquoi j'ai dit. Tu vois que tu n'es pas de sauvage. Ça, il faut retirer ça. Je ne vous ai pas trompé de sauvage. Non, je ne vous ai pas traité. Je ne vous ai pas traité de sauvage. J'ai dit qu'on ne peut pas se comporter comme des sauvages. Je dis compris moi-même. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Annonciateur. Mais la plupart des gens. Qu'est-ce que signifie être annonciateur? Vous aurez à répondre. C'est cela l'ignorance des frères. Qu'est-ce que signifie être annonciateur? Même Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Tous les prophètes sont des annonciateurs et avertisseurs. Mm-hmm. Qu'est-ce que signifie être annonciateur et avertisseur? C'est cela le problème. Mm-hmm. Parce que le problème des frères, c'est les concepts définitionnels. Mm-hmm. Vous savez, comme je venais de le dire tantôt, on peut présenter quelqu'un, n'est-ce pas? Si on disait de quelqu'un que c'est un sauveur. On n'a pas menti. Et si on disait de quelqu'un qu'il est venu nous tirer du malheur, on n'a pas menti, c'est un sauveur. Mm-hmm. Un sauveur, c'est celui qui tire quelqu'un du malheur, qui tire quelqu'un du danger. Maintenant, Mohammed est présenté dans le Coran comme étant celui qui a été envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Mm-hmm. Et dans ce verset qui est clair, parce que vous ne trouverez pas un seul verset comme celui-ci dans la Bible, dans lequel Jésus, Dieu parla de Jésus, il dit, je l'ai envoyé à l'humanité tout entière. Non, mais Dieu parle dans ce passage, il dit clairement, ô Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur à toute cafatalinas, toute l'humanité sans exception. Mm-hmm. Mais la plupart des gens ne le savent pas, y compris ses frères. Allah, mais ils sont dans le panier des gens qui ne savent pas. Allah, la plupart des gens ne savent pas. Ils s'arrêtent à dire annonciateur, avertisseur. Mais qu'est-ce que signifie annonciateur et avertisseur? Mm-hmm. Ils ne peuvent rien dire parce que tous les prophètes sont appelés dans la Bible des avertisseurs. Mm-hmm. Tous les prophètes de Dieu, mm-hmm. ils sont venus annoncer. Deux, lorsqu'on termine, mon frère, nous avons de 2 minutes. Ouais. C'était plus que clair. Et nous avons dit ici que si on mettait Jésus-Christ et Mohammed devant nous à travers leurs paroles, vous ne trouverez aucun verset dans lequel Jésus dit j'ai été envoyé à la totalité des hommes. Allez, mettez tout entier. Mais Mohammed lui-même expliquait encore ces versets du Saint-Coran. Parce que dans leur fuite en avant, quand ils cherchent à séparer le Coran et la Sourate, et c'est là où on va démontrer leur ignorance du Coran. Mm-hmm. Le prophète Mohammed dit clairement ceci. Mm-hmm. Moi, Mohammed, contrairement aux prophètes de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Et après moi, il n'y a pas de prophète. Et il ajoute en disant ceci, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Mmh. Le seul prophète qui a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité, à basant les critères de noblesse sur la piété, c'est Mohammed. Mmh. Jésus priait dans les temples, les païens convertis au judaïsme étaient là, et il y avait une balustrade de pierre autour du temple qui les interdisait de pénétrer dans les temples sous peine de mort. Mmh. Jésus n'a jamais demandé à détruire cette balustrade-là, et n'a jamais demandé à ces païens-là de pénétrer dans les temples pour adorer les dieux des juifs ensemble avec les juifs. Mmh. Jamais il ne l'a fait. Il était avec les romains, mais jamais Jésus n'a invité un seul romain à croire à lui. Mais Mohammed était à Médine, il a envoyé une lettre à l'empereur Héraclius, lui demander de croire en lui. Alors maintenant, regardez maintenant, je ne dirais pas par respect pour eux, mmh. je ne dirais pas leur ignorance, mmh. mais leur petit savoir. Parce qu'ils ignorent les styles du Coran. Ils disent, Dieu a dit à Mohammed, afin que Dieu puisse te pardonner péché, et tes péchés passés et tes péchés futurs. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça c'est une prolongation encore. Il y a débordement. Non, je suis Alexis Bongo. Il peut prendre la parole et puis monsieur je vais Alexis, revenir. Non, pardon, à moins que vous le disiez. Monsieur, qui dit ça? Laisse-le dire. Alors, dire. Ce verset voudrait dire quoi? Voilà. D'abord, je leur pose la question sur base du même verset. Bon, mais ils ne posent pas la question. Non. Ils ne posent pas la question. Non, parle, on te suit. Vous savez, monsieur Alexis, il est facile. Il a fini. Tu as fini, non? On m'a donné 2 minutes. L'émission va finir 1 minute. Ça veut dire quoi? Oui. J'ai dit monsieur Alexis, renvoie-moi la parole. Je vais essayer de casser ça. Ça veut dire quoi? 1 minute. J'ai dit ceci. On se pose la question. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Mohammed, afin que tes péchés passés soient pardonnés? Lorsque Mohammed n'a commet aucun péché dans les péchés, ils n'ont aucun exemple à donner. Mmh. Et puis dans le futur, les péchés futurs soient pardonnés. Lorsque ces péchés ne sont pas encore commis pour qu'ils soient pardonnés. Mmh. Cela signifie quoi? Rapidement. Parce que les défis que Jésus a lancé aux Israélites dans 8:46, Jean, en leur disant, qui de vous me convertira des péchés si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Mmh. C'est le même défi que Mohammed a lancé aux Arabes dans Coran chapitre 10, verset 16 à 19, en disant,
J'ai passé toute ma vie devant vous. Mais il a consommé. Ils ne connaissent pas le style du Coran. C'est parce qu'ils n'ont aucun exemple qui peut donner là où Mohamed a commis. J'ai passé toute ma vie devant vous. Pourquoi ne croyez-vous pas? Vous savez en islam. Super, on s'arrête là. Ça c'est le prophète qui a parlé, nous on aime ça. Alors la réplique. Monsieur Alexis Bongo, 5 minutes pour atterrir. Il y a tellement trop d'écritures dans la Bible. Après, il va prendre, je vais lire une écriture. C'est lui qui a commencé. Non, oui, je vais lire une écriture. Toujours le verset là. Attendez qu'il finisse, sinon on arrivera. Il a déjà terminé. Monsieur Alexis Bongo. Moi, je crois que Abdul Majid a un sérieux problème. Il a vraiment un problème de constipation spirituelle, tel que lui-même le dit. Il limite mes mots. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, je réponds encore ce verset-là. Où Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde, juif, qu'il a donné son fils unique, juif, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est une parole sortie de la bouche de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque matin où nous allons nous réveiller, même lorsque Abdul Majid essaie de contredire cela, chaque matin, lorsque nous allons nous réveiller, nous verrons toujours cette écriture-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire son ignorance, ses difficultés vont l'arrêter, mais ça ne peut pas arrêter cette écriture-là. Cette écriture est vraie. Et Jésus-Christ est le sauveur dès sa naissance. On ne devait pas sauveur. Il nous parle des critères. Les critères, là, vous savez, là où il a eu ça, il a eu ça dans un forum. Un forum là sur internet, un forum entre un musulman, Walaï et Petro qui sont en train de faire un débat. Voilà. C'est un forum. Voilà. Donc les critères là ne sont pas dans le Coran. Il a inventé ça de toutes pièces. Voilà, donc cela dit, on est arrivé à l'atterrissage. Je crois que mesdames et messieurs, on va conclure parce que on risque d'ouvrir encore une brèche. Une minute seulement pour vous. Non, on risque d'ouvrir une brèche pour rien. Bon, nous avons suivi qui de Mahomet et de Jésus est le sauveur. En tout cas, ils ont été là. On aura notre face à face. Il y a eu de la constipation spirituelle dans l'air. On le sait, si c'est de la part des musulmans ou des chrétiens, mais vous avez été attentifs et vous avez pu donc tirer la quintessence même des messages qui ont été délivrés dans la Bible et le Coran. Et la pensée, tu m'as envoyé dans le monde, je vous en prie. Mais tu interprètes mal les écritures, tu interprètes mal. Et donc nous aurons une suite, évidemment, si Dieu le permet, si jamais Allah est d'accord. Ce n'est que partir dans une salle, une grande salle. Dans une grande salle. Ce serait bien dans une salle, c'est là où je vais te faire venir. Je te le dis. Sans calme. Je te le dis. Moi, je te le dis. Je vous en prie. Vous ne me connaissez pas. Moi, je te le dis. Je vous en prie. On est arrivé à la fin de ce segment. Tu vois, ce segment, j'ai annoncé ça. Je te le dis. Sans calme. Je vous en prie. C'est bien qu'on ait comme ça décidé de prolonger la chose dans une grande conférence, dans une salle. Et là, c'est tout le monde qui nous regarde de l'autre côté. Il a été incapable de donner un seul verset. Incapable. Il est tellement capable. Vous étiez cadre. Vous étiez avec le Saint-Esprit. Merci. Vous étiez cadre. Tapola ki pelo pola pana nyoto.